C'est impossible de franchir le stade, va falloir des explosifs. Rouge 3, tu n'as pas besoin d'explosifs, il te suffit de trouver la valve d'arrêt d'eau. Bien sûr, Holn. Holn, ici Rouge 3, j'ai trouvé la valve et j'avance comme prévu. Bon travail, Rouge 3. Thank you.
sang que les substances peuvent attaquer les gens. Par-dessus, tu passeras à travers. Même chose pour les indiens. Si t'en rates un, tu finis dans Yoyo. Et une fois dans Yoyo, t'as intérêt à serrer les vis. Hein? Pourquoi? À cause des rêves. Ils rappliquent toujours quand il y a les substances gluantes. Ils sont énormes! Plus gros que mon bras! S'il y en a un qui s'en nageait, il se faufile à l'intérieur. Et après, c'est fini pour toi. Les docteurs peuvent rien faire. La médecine moderne n'a pas encore trouvé de remède. Pour tout dire, le seul moyen, c'est d'attendre la nuit. Quand il sort prendre l'air, là, il faut l'attraper et tirer aussi fort que possible. Mais, Joe, t'arrêtes de faire peur aux bleus, ok? N'écoute pas toutes ces conneries. C'est vrai que les vers peuvent te mordre, mais ils peuvent pas se faufiler en toi. Jamais de la vie. Enfin, pas cela en tout cas. Par contre, il a raison. Fais vraiment attention aux passerelles. L'OSCOM est avare en trucs verts ces derniers temps. Si tu te retrouves à prendre un bouillon, c'est l'équivalent de 3 jours de radiation. Tu dois vraiment y aller? Tu t'es même pas reposé? Les émeutiers avancent, je n'ai pas le temps de me reposer. Les émeutiers... Dis, papa, si nous, l'OSCOM, on protège les gens, pourquoi on leur ment? Eh bien, tu as grandi, soldat, et tu es plus sage. Alors, parlons en adulte. Doit-on dire la vérité? Bien sûr. Mais la vie n'est jamais aussi simple. Entre les mains de nos ennemis, la vérité pourrait être dangereuse. On doit choisir prudemment ceux à qui on la révèle. Sinon, on la garde pour soi. Le commandement a toutes les cartes en main et prend des décisions. Et même si elles peuvent être parfois déplaisantes, elles restent nécessaires. Le commandement pense à tout le monde, alors que les civils, eux, ne pensent pas aux autres. C'est pourquoi on doit leur cacher les vérités qui pourraient les effrayer, pour leur bien. Tu comprends ça? Oui, mais bon, ça fait peur comme façon de penser. La vie est pleine de choses qui font peur. Mais j'ai bien réussi à t'élever. Tu es fort et courageux. Tu comprendras. Bon, il faut y aller.
Va à la maison. Tu ne sors pas et tu ne laisses entrer personne jusqu'à mon retour. C'est un ordre. Oui, mon colonel. Sergent, ramenez-le. Oui, chef. Allons-y, Kirill. Très bien. Bonne chance, papa. Bonne chance, fiston. Désolé pour le contretemps, mon colonel. Ils essayaient de forcer l'entrée du QG, on a eu de la chance d'intervenir. Je vois. Tiens, si c'est pas le colonel. Prêt à rencontrer ton créateur ? Allez, ne restez pas là! Rejoignez les autres! Oui, chef! Lieutenant, je prends le détonateur. Couvrez-moi. Oui, chef. Je
terminé. Thank you.
Télé, c'est pas bon pour les yeux. Dis, Ted, c'était qui ces types ? Ah, il s'agit des bandits dont je t'ai parlé. Ils étaient venus piller nos installations sur les quais, mais ça ne s'est pas déroulé comme ils l'espéraient. Mais je dois rendre à César ce qui est à César. Cet enfoiré Tom a sacrément renforcé nos défenses.
Et ça fait longtemps que ces abrutis ont arrêté de nous attaquer. Il y a quelques années, ils ont fait une dernière tentative. Klim leur a donné une bonne leçon. Ils ont tellement eu peur qu'ils n'ont même pas pris le temps de décrocher les cadavres de leurs copains pendus partout dans les ruines. Ils pouvaient plus nous attaquer, ils n'avaient nulle part où aller. Du coup, ils se sont tournés vers la chasse. Ils attrapent des mutants dans les ruines, ceux qui ressemblent à des humains. Ces saloperies ne sont pas très futées, mais elles ont de la force. L'idéal pour tirer des chariots ou des barques sur les rivières, ou encore faire tourner des roues. Ils mangent pas grand-chose non plus, ça fait de sacrées économies de carburant. Du coup, les bandits les attrapent, les dressent un peu, et ensuite ils les revendent à des marchands. Ils remontent du sud plusieurs fois par mois. Ils les paient en armes, en munitions, en paquets de riz. Tout ce qu'il faut pour vivre la belle vie au milieu de la nature. Ils passent aussi par notre campement pour nous racheter des générateurs, des moteurs et d'autres trucs qu'on a remis en état. Nos mécanos font de véritables merveilles, après tout. Oh, et du poisson séché aussi. Voilà en gros comment fonctionne l'économie de la région. Mais pourquoi ces chasseurs nous ont tiré dessus? Ils se sont répartis les différentes zones de la ville. Cette répartition est le résultat de nombreux affrontements. Ce n'est pas étonnant qu'ils tirent maintenant à vue sur toute personne qui n'a pas le bon insigne. Je vois, la guerre des territoires version primitive. Ah, ok, on est arrivé. Exactement. Il n'y a plus qu'à amarrer ce truc et je vais te montrer ma base secondaire. Cool. Alors, c'est quoi l'offre de Tom dans les grandes lignes? C'est simple. Il propose de vous laisser le campement et tous ceux qui refuseront de le suivre. Sa générosité le perdra. Et il veut quoi en échange? Que vous lui fournissiez des barres de combustible pour le sous-marin. Vas-y, monte, Sam! T'inquiète pas, l'ascenseur marche très bien. Mes compagnons et moi avons pris le temps de réhabiliter cette base. Il y a un générateur sur le toit. L'escalier sert seulement de sortie de secours. Il y a trop de monstres dans les étages inférieurs. L'ascenseur est loin d'être un luxe. Il faut juste garder le générateur toujours en route. Ah, ce qui veut dire que les gars se sont pas fait prendre, finalement. Ou qu'ils se sont fait choper, mais qu'ils ont refusé de parler. Quel gars? Le jour où Tom a révélé son vrai visage, mes amis les plus proches et moi avions décidé de ravitailler le sous-marin et de partir en mer. Notre plan était confidentiel. Les seuls présents étaient Alex, mon commandant en second, Alex numéro 2, l'officier torpilleur, et Volodia, le responsable du système de survie. Ils sont alors partis en reconnaissance pendant 2 semaines, tout en restant en contact. Ils ont trouvé le combustible et je devais passer les chercher le soir même. Sauf que c'est les hommes de Klim qui m'ont accueilli là-bas. J'y ai réchappé de peu. Ils ont été capturés? Je ne sais pas. Mais la présence des hommes de Klim n'est sûrement pas une coïncidence. Ouais. Voilà, nous y sommes. Vas-y, monte, Sam. Fais comme chez toi, Sam. Profites-en pour te reposer, c'est la tempête dehors. Dis-moi, Sam. Tu cherches quoi exactement dans tout ce merdier? Je veux rentrer chez moi, Ed. C'est tout. Et Tom m'a dit qu'il me ramènerait. Avant de déclencher une nouvelle guerre nucléaire? Ou après? Sam, ce sous-marin est une arme redoutable. Une arme qu'on m'a confiée dans le seul but de protéger mon pays. Pas pour des opérations pirates ou dans une optique plus noble de création d'un paradis sur Terre. Tu comprends ça? Si je m'en suis pas servi lors de la dernière guerre, c'est certainement pas pour que n'importe qui le fasse maintenant.
Surtout vu l'état dans lequel se trouve le monde. Ed, Tom est un homme sensé. Je doute qu'il aille jusque-là. Tom est un homme d'affaires et il le restera toujours. Il obtiendra ce qu'il veut d'une manière ou d'une autre. Tu n'as pas compris que sa proposition de laisser partir ceux qui ne le suivaient pas était une menace ? À ton avis, qu'est-ce qui va leur arriver si je refuse de lui apporter ce combustible ? Je crois que vous voyez vraiment le mal partout. Ok, on va faire comme ça. Moi, je l'appelle et vous lui parlez directement. Bon, très bien. Tom, c'est Sam. Le capitaine accepte de vous parler. Parfait, Edward. Je vais faire court. Vous savez que j'ai besoin de ces barres de combustible. Vous voulez récupérer votre camp, vos hommes et votre autorité, et je suis prêt à vous accorder tout ça. Dès que les réacteurs seront ravitaillés, je partirai avec mes gars, et vous n'entendrez plus parler de nous. Vous refusez de croire que je n'utiliserai jamais les missiles nucléaires, mais vous devez me faire confiance. Je n'ai qu'une parole. Pour le moment, oui, c'est vrai dans les grandes lignes. Mais là n'est pas la question. Même si je te croyais, je n'ai aucune confiance en Klim. Est-ce qu'il t'a dit que ces bandits indépendants travaillaient pour lui ? Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Je n'en ai pas la preuve. Mais les amis avec qui je suis parti ont disparu. Il ne t'aurait pas parlé d'eux, par hasard. Il a dit qu'il les cherchait. J'avais des doutes depuis un moment. Mais ils sont maintenant confirmés. Il faut savoir se rendre à l'évidence. Quand on aura le combustible, Klim sera... Il ne sera plus un problème. Autre chose ? Non, c'était tout. Alors, marché conclu ? Marché conclu. Je suis sûr que je vais le regretter, mais soit, Tom. Soyez rassuré, un marché est un marché, Edward. À bientôt. Merci de lui faire confiance. Sam, je ne lui fais pas confiance. Même pas une seule seconde. Et ça, peu importe ce qu'il raconte. C'est impossible. Mais vous n'avez pas le choix. Exactement. Cette fois, je n'ai vraiment pas le choix. Ah, merde! Ce générateur a encore lâché. Allons jeter un coup d'œil. C'est pas vrai! Avant qu'on parte, il va falloir qu'on s'occupe de mon genou. Il enfle à vue d'œil. Pas de problème, Ed. Vous avez un truc contre la douleur? Normalement, je ne bois pas, mais j'ai une caisse de Molotov. Alcool artisanal et huile de poisson, ça fera l'affaire. Si au moins on avait un peu de nourriture pour faire passer le goût, mais bon. Tiens. Ouais, ça c'est une bonne surprise. Bon, j'ai plus d'excuses maintenant. Alors c'est parti. Santé. C'est pas si mal. Vas-y, prends-en un peu, toi aussi. Vous êtes sûr ? Mais oui. Allez, finissons-en. Oh, c'est infect. Bon, allez, je suis prêt. Tire bien fort. Accrochez-vous bien. Ah, je ne te le fais pas dire. Je crois pas que ça ait marché. Laisse-moi reprendre mon souffle. Et prends-en une pour toi aussi. Santé. Oh. Toujours aussi dégueulasse. Ok. Essaie encore. Mais y plus d'élan. Attention, je tire.
Ah, la vache! Quelle plaie! Merci pour ma jambe. Je sens que c'est déjà mieux. Santé! Santé. Je crois qu'on va éviter de bouger ce soir. C'est pas mal du tout. Ok. Allons jeter un coup d'œil à ce générateur. Sûr. Et là, mon second débarque et se met à crier. Où est passé mon magnétophone, bordel? Ça devrait être bon, là. Actionne ce levier. Ah, merde. En fait, c'est pas bon. Oh! Ah! Hé, t'entends ça? Quoi, cette musique? Si seulement on avait de la musique. Alors, santé. Hey, you, what the... Ok. Allez, à moi de jouer. Cette fois, c'est sûr, ça devrait être bon. Démarre-le. Que la fête commence. Laisse-moi faire. Que la lumière soit. Hein? Ed! En attendant, ça te dit de me raconter ton histoire? Vous êtes sûr? Allez, Sam, lâche-toi un peu. Ouais, pourquoi pas. Et quand on a enterré le colonel, j'ai su que je devais partir. Je le savais, papa, il attendait. Merci d'avoir partagé ton histoire. On était en mauvaise posture. On a été obligé d'accepter. Et ce salaud prétend vouloir sauver le monde. Oh, ça va devenir un pirate avec des missiles. Voilà tout. Oh, je sais pas. Vous y allez un peu fort. Il a des idées. C'est moi le roi du monde. Oh, Sam. Franchement, Sam, t'es un type bien. Oh, je sais pas, il est pas fou, Ed. Je sais, mais quand même, qu'il aille se faire foutre. Santé. Allez, Sam. Franchement, Sam, t'es un type bien. Mais t'as pas le sens du respect. Le respect de tes aînés. Bah, alors, pourquoi tu bois pas? Hé, Ed. Je suis là. Oui, là aussi, bizarre. J'ai besoin d'un verre. Ah, c'est bon, ça. C'est pas mal du tout. Alors, santé. On va enfin pouvoir mettre de l'ambiance. On en était fiers. Bien sûr, Angela, notre comptable, connaissait le code complet. Sinon, il aurait toujours fallu qu'on reste au bureau. Mais on se faisait confiance, tous les deux. Tu comprends? Et là, cet enfoiré a osé me foutre à la porte et me piquer ma part, me contraignant à bouffer ses bestioles. Ferme ta gueule! Et c'est pas tout. En plus, il a complètement perdu la boule. Il prétend que c'est moi le voleur, pas lui. T'imagines un peu? Je voudrais vraiment le ramener à la raison.
Je veux que quelqu'un découvre sa moitié du code, s'introduise dans la concession, prenne les papiers dans le coffre-fort et me les ramène. Comme ça, je pourrais lui montrer qui est le propriétaire officiel et prouver que c'est lui qui m'a mis à la porte, et pas l'inverse. Ça lui permettra peut-être de reprendre ses esprits. Bon, écoute-moi bien, c'est très compliqué. Ma moitié du code, c'est 1, 2, 3, 4. Tous les deux, vous faites la paire. Découvre juste sa moitié du code et ramène-moi les papiers du coffre-fort. Je saurai me montrer reconnaissant. Maintenant, on va voir. Oui, on va voir. On va voir qui est vraiment malade. Il sera bien obligé d'admettre. Où sont les documents? Tu les as déjà récupérés? Il ne pourra plus voiler la face maintenant. Bientôt, tout le monde saura le frère qu'il est vraiment. Un enfoiré. Ramène-moi les documents du coffre-fort. Et il devra enfin lever le masque. Il croit que je suis pas au courant de toutes les saloperies qu'il veut dire à mon sujet? Eh ben, il trompe. Il a un cœur de pierre. C'est pas un frère. Maintenant, on va voir. Oui, on va voir. On va voir. Pas mal.
Ah, ça, ça me sera sacrément utile. Sésame, ouvre-toi. Voilà les documents que les deux frères m'ont demandé. Sésame, ouvre-toi! Pardon? Mais c'est toi qui m'as poussé à la porte! Menteur! Te voilà! Tu as trouvé les papiers? Donne-les-moi! Oui, donne-les-nous. On va enfin savoir. Or, je parie qu'ils ont déjà été modifiés à ton avantage. Maintenant, lis ce qui est écrit et n'essaie pas de me la faire à l'envers. Ça va, ça va. Ah, tu vois ! Propriétaire exclusif. Une minute. Qu'est-ce que ça veut dire ? Tutkina, Angela, Ivanovna. Merde ! Alors c'est Angela qui nous a foutu à la porte ? La sale vipère ! La garce ! Mais comment elle a pu ? Dire que je haïssais mon frère à cause d'elle ! Frangin ! Frangin ! Pardonne-moi, Frangin ! Non, pardonne-moi ! Comment j'ai pu te traiter de la sorte ? Et moi donc, alors ? Je suis tombé dans le panneau ! J'aurais dû m'en douter ! J'aurais dû ! Elle m'a menti à ton sujet ! J'aurais dû m'en douter ! Ce qui est fait est fait. Maintenant, tout ira beaucoup mieux. On va repartir de zéro. On va tout reconstruire, frangin. En partant de rien, comme à l'époque. Je crois Mon que frère, je vais y aller. J'ai à nouveau un frère. En moins. J'ai récupéré pas mal de choses, mine de rien.
Midorna. Échanger autant de balles de grade militaire contre ces monstres? Si on m'avait dit ça un jour, je vois même pas à quoi ils veulent servir. Skdica. Même si ça demande un peu de boulot, forcément. Le plus compliqué, c'est de leur apprendre à pas sauter sur les gens sans qu'on leur ordonne, mais une fois qu'ils sont obligés, ça va tout seul. En fait, ils sont pas tranquilles. Tu peux leur faire monter les trucs ou tirer les traîneaux. Si tu tombes dans une embuscade, il suffit de lâcher tes canassons sur les assaillants et le tour est joué. On les fait même combattre entre eux. Les plus forts sont encore une fois. Ils peuvent aussi entraîner les roues et tout ça. Ah.